J'adore Wind Machine. C'est une étoile. Son dernier album est sorti il y a quelques jours et elle vient nous interpréter son nouveau single, Méfie-toi de moi. Voici Hélène Segarra. Méfie-toi des blessures que l'on ne guérit pas, de mes mains qui rassurent, mais on eut tellement froid. Méfie-toi de ma peau, elle se souvient de tout, de ce qui est trop beau et n'appartient qu'au fou. Méfie-toi du passé, de sa mémoire immense, de ce qu'on croit caché quand la vérité danse. Méfie-toi de mes peurs qui reviennent parfois. Méfie-toi du bonheur, souvent il n'attend pas. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Extrait de l'album Quand l'éternité, Hélène Segarra. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est les artistes qui sortent de la télévision, qui sortent de concours télé et qui deviennent des grands chanteurs, qui font des carrières. Toi, ça n'existait pas à l'époque, mais en revanche, très tôt, tu as gagné des concours de chant. Un ou deux, mais parce que c'est mon grand-père qui m'a inscrite, parce que moi je suis très trouillarde, donc moi faire ce qu'ils font eux, les concours et tout, non pour ça hein, seulement, je suis pas trouillarde sinon. Bon. Mais c'est vrai que j'aurais pas pu moi faire des compétitions comme ils font en direct en télé, j'aurais perdu tous mes moyens. Quel âge avais-tu pour le premier concours, tu te souviens? 11 ans. 11 ans. Ouais. Et quelle chanson chantais-tu? L'amour en héritage. Ah, alors là. Oh, l'amour en héritage. Des mamans mousquetaires.
Merci beaucoup en tout cas, Hélène. Merci beaucoup. À bientôt.